Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Eh bien, depuis un certain temps, j'avais en tête de faire cette capsule sur comment pratiquer la technique des petits bonshommes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais pour l'avoir pratiquée moi-même, je peux vous dire que cela marche. Et vous expliquer en quelques mots à quoi cela sert et la méthode de cet exercice. Eh bien voilà, ça y est, enfin j'ai pris le temps de le faire. La technique des petits bonshommes allumettes est une méthode de libération qui a été développée par le célèbre psychothérapeute québécois Jacques Martel. Oui, oui, c'est bien l'auteur du grand dictionnaire des malaises et des maladies. Elle est utilisée pour se libérer des émotions négatives et des liens énergétiques indésirables. Vous pouvez, si vous le désirez, vous procurer ce livre sur cette technique, n'est-ce pas? Vous aurez besoin d'une feuille de papier blanche, c'est-à-dire non lignée et non quadrillée, d'un crayon et une paire de ciseaux. Maintenant, vous pouvez aussi le faire avec les 7 couleurs des 7 chakras. Mais cela est optionnel. Si vous n'avez pas de paire de ciseaux, vous déchirez simplement la feuille avec vos mains. Alors, cette technique qui ne prend que quelques minutes permet de vous libérer de vos dépendances, de vos peurs et de vos attachements conscients et inconscients. Elle vous permet d'avoir plus de détachement envers une personne ou d'une situation et de développer davantage d'amour inconditionnel. Maintenant, si vous utilisez cette technique régulièrement, eh bien cela va vous permettre d'activer des changements positifs dans votre vie. Les changements résultent de votre décision et de votre intention de changer et du fait que vous allez formuler par écrit, eh bien, ces intentions. En fait, vous agissez ainsi autant sur votre conscient que sur votre subconscient et elle devient ainsi un puissant outil de transformation. Alors, ce qui est merveilleux avec cette technique, c'est que même si vous ne savez pas consciemment exactement ce que vous avez à travailler ou à intégrer face à l'autre, eh bien ça marche. À cause de votre intention qui est de changer et de lâcher prise, que vous êtes prêt à consentir face à la personne, aux situations et aux résultats. C'est ainsi que vous déclarez, que vous matérialisez, que vous cristallisez dans la matière, eh bien, votre intention. Et en faisant la technique, eh bien, vous donnez une commande à votre subconscient et c'est ainsi qu'il va travailler pour vous afin d'apporter des changements positifs dans votre vie. Il y a une chose qui est très 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 importante, cette technique doit être faite dans l'ordre. Vous devez bien respecter les 7 étapes. Il est bien entendu que cette technique ne remplace en aucune façon, n'est-ce pas, l'aide nécessaire de la part d'un professionnel de la santé. Ça peut être au point de vue médical, psychologique, etc. Elle est juste un complément, n'est-ce pas, à toute autre médecine traditionnelle. Pour faire cette technique de façon efficace, il existe 5 règles qui doivent être impérativement suivies à la lettre. Cela est vraiment très important, n'est-ce pas, pour avoir un maximum de résultats. Lorsque vous faites la technique, il faut que dire « je veux ce qu'il y a de mieux pour moi et l'autre personne ». Faire la technique par écrit. Faire les 7 étapes. Dans l'ordre. Vous vous dessinez toujours en premier à gauche et ensuite l'autre personne à droite ou la situation.
ne jamais faire la technique, seulement pour deux autres personnes sans que vous y soyez inclus. Et en 5, vous assurez, lorsque vous tracez les lignes d'attachement et de dépendance, qu'il y en a bien 7. Dans quelle situation pouvez-vous utiliser cette technique? Eh bien, dans une situation qui vous serait perçue comme négative, dans un conflit. Vous avez de la peine, de la colère, dans une situation d'inconfort, dans une déception, une frustration, un questionnement, plus de nouvelles d'une personne, etc. Améliorez votre relation avec votre conjoint, votre père, votre mère, votre patron, votre enfant, etc. En somme, n'est-ce pas, toute situation où vous voulez développer plus d'harmonie et de bien-être. Vous pouvez aussi faire cette technique dans une situation positive. Même si vous êtes heureux dans votre relation de couple, au travail, en famille, on peut toujours améliorer la relation. Vous pourriez aussi vivre de l'attachement et de la dépendance face aux personnes que vous aimez, et le fait de faire l'exercice va améliorer la relation en augmentant le détachement que vous avez face à cette personne et en vous aidant à vous syntoniser sur l'amour plutôt que vos peurs et vos dépendances. Alors, dans quelle autre situation pouvez-vous aussi utiliser cette technique? Eh bien, vous pouvez aussi le faire avec des situations suivantes. Par exemple, la signature d'un contrat, une réunion de famille, de travail, vendre votre maison ou acheter une maison, vendre votre voiture ou acheter une voiture, trouver un travail, etc. Vous avec vous-même, c'est-à-dire si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez une douleur physique, émotionnelle, etc. En tous les cas, il est important de toujours dire « je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour l'autre personne, je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux ». Je coupe les liens conscients et inconscients. Le but est de couper l'attachement et non l'amour, n'est-ce pas? Il est important de savoir quelle est la différence entre l'amour et l'attachement. Ce n'est pas parce que on coupe l'attachement que l'on coupe l'amour, pas du tout. L'amour est un don de soi, désintéressé et détaché. L'attachement est un lien qui entrave la relation et qui nous empêche d'évoluer dans notre développement personnel. Couper les liens d'attachement conscient et inconscient avec une personne ne coupe pas du tout les liens d'amour, n'est-ce pas? Couper ces liens engendre, eh bien, plus d'épanouissement pour vous, pour l'autre personne et pour la relation elle-même. Alors c'est quoi l'attachement et la dépendance? Pourquoi s'en libérer? Eh bien, l'attachement se construit sur un manque. Il provient principalement de vos blessures que vous avez à l'intérieur de vous, de vos désirs et de vos peurs conscientes et inconscientes. Cela peut aussi se créer lorsque vous avez peur de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose. Au lieu d'en être détaché et d'aimer d'un amour inconditionnel, eh bien, vous avez besoin d'exercer un certain contrôle, conscient, encore une fois, ou inconscient sur l'autre. Et c'est ainsi que l'attachement et la dépendance deviennent très souvent envahissants, sans que vous ne vous en rendiez compte, n'est-ce pas? Et il influence vos actions et vos décisions au détriment de votre bien-être et de votre intégrité. Et voilà, il en résulte des conflits, soit avec vous-même ou avec les autres, car vous résistez à la nécessité de lâcher prise.
de laisser vivre, car vous avez peur. Cela implique un manque de confiance en vous et en l'autre, car l'attachement, donc votre attache à l'autre, vient distordre la réalité et la vérité. Mais de quoi avez-vous peur? Eh bien, il existe 6 peurs fondamentales, selon Napoléon Hill, qui sont à la source de toutes les autres peurs. En 1, la peur de la mort. En 2, la peur de la pauvreté. En 3, la peur de la critique. En 4, la peur de la maladie. En 5, la peur de vieillir. Et en 6, la peur de perdre l'amour de quelqu'un. Maintenant, si vous êtes vrai avec vous-même et que vous regardez les situations conflictuelles dans votre vie, vous vous rendrez compte que ce que vous croyez que l'autre devrait vous apporter, c'est en fait vous qui devriez vous occuper de le créer. Si vous accusez maintenant votre conjoint de ne pas communiquer, eh bien, demandez-vous dans quelle mesure vous ne communiquez pas vos besoins avec les autres. Il faut toujours revenir à soi, n'est-ce pas? C'est pourquoi, si vous faites cet exercice des petits bonshommes allumettes et que vous décidez consciemment de couper et de vous libérer des liens d'attachement et de dépendance que vous vivez avec les autres, eh bien, il va en résulter un plus grand sentiment de liberté face à la personne concernée, mais pas que, aussi dans votre vie en général. Il y a des chances que la personne concernée dans l'exercice éprouve la même chose. Il en résultera aussi une plus grande sagesse dans votre façon d'être avec vous-même et les autres. L'amour et la lumière se manifesteront davantage, car en lâchant prise et n'ayant aucune attente ni contrôle face aux autres, vous pourrez ainsi rester dans l'ouverture du cœur en souhaitant le mieux pour tous. Plus d'amour ouvre la porte à l'épanouissement individuel et collectif. Voici un tableau avec les 7 chakras. Comme je vous l'ai dit, il vous est possible de faire les liens d'attachement avec les couleurs qui correspondent aux 7 chakras, c'est-à-dire les couleurs suivantes, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le mauve. Ce sont des points précis du corps par lesquels les échanges énergétiques ont lieu. Le rôle est de recevoir et d'émettre une énergie vibratoire rythmée qui agit sur les organes. Chacun d'entre eux est lié à une couleur dominante qui correspond à sa fréquence vibratoire. Les lignes d'attachement que vous dessinez dans l'étape 6 rejoignent vos 7 chakras principaux ainsi que ceux de la personne ou situation. Je répète que cela est optionnel et non nécessaire pour que la technique soit efficace, n'est-ce pas? Alors beaucoup de personnes se demandent combien de fois faut-il faire l'exercice? Une fois seulement est nécessaire, mais si cela vous rassure, vous pouvez le faire plusieurs fois avec la même situation. Certaines personnes répètent le processus des petits bonshommes allumettes aussi longtemps qu'elles ressentent des émotions face à la personne ou à la situation. Il faut alors refaire toutes les 7 étapes à chaque fois et dans le bon ordre. Que faire de cette feuille quand vous avez terminé? Eh bien, vous la jetez dans la corbeille ou dans la poubelle. L'important, n'est-ce pas, c'est d'avoir fait l'exercice. Après, bien, vous faites comme vous voulez, cela n'a pas d'importance de ce que vous en faites. Si vous avez des questions,
Vous pouvez toujours me les mettre en commentaire ou via mon adresse mail. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de tout cœur tout le meilleur pour vous. À très vite.